Alors, qu'est-ce que je peux dire? Bah ouais, le live Dragon Ball, les lives hein, sur 2 jours ont été pas foufou. Hein. Dragon Ball Fighters, on s'attendait à des putains d'annonces de folie. On nous donne la date de sortie d'Android 21. Super. On s'attendait à plus d'informations concernant le film Dragon Ball Super Super Broly. Mis à part une nouvelle image représentant un poster, double page. Et c'est tout. Waouh! Waouh! Le méchant? Waouh! Bah on sait pas. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. On va parler donc de ce fameux long métrage qui déboulera au Japon en avril 2022. Dans les salles obscures nippones, je me rendrai dans une salle bien évidemment et je vous partagerai mon avis. Peut-être juste après la sortie. Peut-être je ferai un petit live comme ça pour rigoler. Allez les amis, je fonce vers un cinéma. Un petit live détente, j'en sais rien. Je ne filmerai pas dans la salle, hein, je vous vois déjà venir. Et sachez-le, le film est déjà annoncé pour cet été en Amérique du Nord. Concernant l'Europe et la France, eh bien nous sommes dans l'attente pour ne pas changer. Mais je pense que ça sortira cette année. Soyez juste un petit peu patient. Voilà. On va donc parler des différentes annonces qui ont été faites durant le live. Il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part que il y a une grande star dans les parages qui retourne vraiment le cerveau de tout le monde. Et je le vois hein, dans les commentaires. Je vois la communauté qui s'excite. Putain, c'est génial. Elle est là. Le parapluie Red Ruban. C'est la star du live! Et c'est là où tu vois qu'ils ont rien à dire. Là, je suis échappé à la toé. Tout le monde. Bon, on n'a pas. On doit faire un truc, on doit faire un. On a un moment sur le film, on balance quoi? Ben, on va parler du parapluie. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks? Et ce qui m'amuse, c'est que t'as quand même 2-3 Japonais qui sont vraiment excités concernant ce parapluie-là. Et ils te sortent, mais regardez, la poignée là, elle ressemble au logo du Red Ruban, c'est super bien pensé. Mais on s'en branle, mon gars. Moi, je veux voir un film, c'est pas pour voir un parapluie, quoi. Bon, bref, ça m'a tué de rire. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Vite fait, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, il y a l'opening des Dragon Ball Games Battle Award, Wars, pardon. Qui a été partagé, qui claque, mais alors qui claque. Sincèrement, je pense qu'on a affaire à du CyberConnect 2. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression de voir du Dragon Ball Z Kakarot. Ça m'étonnerait pas que le studio ait un petit coup de fil. Hey, vous pouvez faire une petite bande-annonce et tout, vous avez déjà des personnages, des assets et tout. Au niveau des designs et la modélisation des personnages, etc. Je vois du Kakarot à 400 000%. Je suis peut-être le seul dans cet univers, j'en sais rien. Mais j'ai vu personne en parler. Cependant, ça nous donne un petit aperçu de ce que pourrait donner le film. Hein, parce que, encore une fois, c'est de la CGI. Voilà. Ce côté dynamique avec une caméra qui bouge un peu dans tous les sens, une caméra qui tourne autour des personnages, une caméra qui est difficilement. Il est difficile de la reproduire avec du dessin. Voilà. Cet angle de fou là qui se coupe en 2 secondes et tout. Bref, ça claque. Est-ce qu'on aura ça dans le film? Est-ce que moi je peux tenir une heure et demie à regarder des trucs comme ça? Je sais pas. De toute façon, vous aurez mon avis en avril, de toute façon. Mais ça vous donne un petit aperçu de ce que pourrait donner Dragon Ball Super Super Broly. Super Hero, faut que j'arrête parce que j'ai toujours Broly en tête. Broly est incroyable. Allez les amis, voici ce qui a été dévoilé du coup. Eh bien, on a de la nouveauté. La partie droite, concrètement, c'était ce qu'on, bah, c'est ce qu'on connaît, hein. Rien à dire dessus. Gohan est à l'honneur. Et cette fois-ci, on a bim, de la Bulma, superbe, du Kulilin avec sa petite tenue de flic, de l'Android. Alors, Android 18, regardez bien sa coupe. Sa coupe, les amis, on se rapproche de la fin de Dragon Ball. Pour ceux qui ne savent pas, ça se passe dans une petite période, ici dans les tomes 42. Hein, en gros, tu devrais prendre tes tomes Dragon Ball Super, tu vires le tome 42, le tome 42, tu mettras à la fin. Bref, tu vois la coupe hyper courte, pardon. On se rapproche tout doucement de la fin de Dragon Ball. Et bien sûr,
la surprise du moment, et c'est ce que tout le monde attendait, c'est de voir Goten et Trunks. Est-ce qu'ils seront présents dans le film, etc. Et surtout, est-ce qu'ils auront une autre facette, une autre apparence? Et la réponse est oui, vous l'avez sous les yeux, ils ont enfin grandi. Alors, les deux personnages font débat. J'ai une meilleure qualité ici, voilà. Ah oui, je vous avais partagé. Et ben, il était temps. Oui, Trunks et Goten seront présents dans un Dragon Ball Super Super Hero et ils ont grandi. Alors, premier constat concernant les designs, etc. J'adore Goten. Alors, j'ai vu que des avis négatifs, globalement, mais Goten, je le trouve superbe. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de références. Il y a une référence qui me fait une petite boule au ventre. Alors oui, vite fait, je reviens sur Android. Où est-ce qu'elle est, la petite Android ? J'ai perdu l'image. Je suis con, quoi ? Ah non, parce que j'ai fait un zoom. Voilà, regardez. Bim, les cheveux courts. Bim, les petits cheveux courts, ici. On se rapproche tout doucement de la fin de Dragon Ball. Voilà, les amis. Donc, pour revenir à Goten, hop, pour moi, la référence, elle est là. Que ce soit au niveau de la coupe, alors la coupe qui va changer hein, de Goten, donc il est en pleine transition. Que ce soit au niveau des vêtements, typique de la famille Son, t'as l'impression hein. Son Gohan, son Goku, son Goten. Et juste la couleur qui change. Alors la couleur qui fait référence, je sais plus qui avait partagé ça, mais ça faisait référence à une petite histoire courte d'Akira Toriyama au niveau des couleurs et tout. Et franchement, le travail réalisé sur Goten est vraiment top de chez top. J'ai rien à dire, on est toujours dans l'esprit famille Goku. Et j'adore ça. J'adore vraiment ça. Hâte de voir d'autres aperçus du personnage, parce que je le vois comme ça un peu tortillé, mais j'aimerais bien voir sa gueule, voilà, tranquille, sans bouger. Trunks, c'est le... Il se fait défoncer partout. Il se fait défoncer pour la couleur de ses cheveux et des vêtements. On va faire vite fait un aparté sur les vêtements. Les vêtements, on est sur quelque chose de moderne. Regardez les chaussures, les baskets, le petit gilet un peu en mousse, etc. N'oubliez pas que c'est un film, pour moi, hein, qui est destiné aux enfants, ça se voit. Et il faut que les gamins s'identifient aux personnages avec ce qu'ils ont aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Au Japon, beaucoup de gamins s'habillent comme ça. Vraiment. Je le vois, hein, à la crèche, des petits machins, des petits bambins. bref, s'habillent comme ça. Donc, ils sont dans l'air du temps. Ils s'adaptent en fonction de l'actualité. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il faut encore une fois que le gamin s'identifie à un personnage. Concernant la coupe de cheveux, c'est... Il y a de quoi grincer des dents. Il y a de quoi grincer des dents. On passe du mauve à un bleu dégueulasse qu'on a pu voir dans Dragon Ball Super avec Milai Trunks. Bleu dégueulasse qui devient cette fois-ci la norme. Pourquoi ? Pourquoi ce changement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les cheveux ont mué. Je sais pas, toutes les pointes sont tombées, les racines, les machins, puis une nouvelle couleur est sortie. Alors, l'explication, il n'y en a pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'explication, mais de ce que j'en sais. Parce que je sais quelques trucs à droite, à gauche, hein, merci mon métier. Mais il faut savoir qu'Akira Toriyama, pour Dragon Ball, c'était quel Battle of Gods à l'époque. À l'époque, il se faisait encore un petit peu reprendre. Quand il avait conçu, par exemple, le Super Saiyan God, le personnage était tellement maigre, trop maigre, que les mecs du côté de la Toei, ils ont dû le reprendre en disant « Monsieur Toriyama, c'est chaud là ». Là, le personnage, c'est un cure-dent. Et j'avais eu la chance de voir une exposition sur l'univers Dragon Ball il y a quelques années de cela, où tu voyais le Super Saiyan God. Tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non, c'est flippant. Concernant Trunks, donc notre sujet du jour, bah c'est Toriyama, de ce que j'en sais, attention, rien d'officiel, mais de ce que j'en sais, qui aurait imposé cette couleur-là. Et du coup, la Toei a tout simplement suivi. Au bout d'un moment, bah, Toriyama impose cette couleur-là, moi je veux cette couleur-là, je m'en fous des cohérences, faites-moi cette couleur-là, bah, au bout d'un moment, bah, on s'adapte, et puis on met, et puis voilà, on se retrouve avec des personnages qui changent de couleur, tout simplement. Voilà. Encore une fois, rien d'officiel, c'est de ce que j'ai entendu dire à droite, à gauche. Reste à voir si on aura un jour un communiqué. C'était sympathique d'avoir un communiqué sur la couleur des cheveux de Trunks, parce que oui, pour moi, c'est un personnage qui change d'un coup. Par contre, ce qui était vraiment bien avec Dragon Ball Super, c'est que Milai Trunks avait sa couleur de cheveux,
le petit Trunks qu'on connaît dans la série, il avait son petit côté mauve. Et du coup, on pouvait faire la distinction entre les deux. Là, on s'en bat les steaks. Bref, très content de revoir les personnages. Très content de revoir Goten et Trunks. Vraiment. Et du coup, on utilise un Gotenks. Oui, mais on utilise un Gotenks avec une fusion ratée. Vous voyez le petit doigt en haut. Hein, voilà. Donc, très curieux, encore une fois, de découvrir le film. Et je suis impatient de voir l'ennemi. On ne sait pas qui est vraiment le big ennemi. Ne me dites pas que c'est Ganma 1 et 2. Et qu'ils vont fusionner à la fin, ils vont faire un truc. Non, c'est pas possible. J'ai du mal. J'adore le petit Gohan. Alors, le site officiel. Oui, le site officiel. Allez, on va faire un petit tour. On va voir. J'ai pas jeté un œil. Donc c'est totale découverte. Nouvelles infos sur Dragon Ball Super Super Hero sorti à Dragon Ball Games Battle Hour. Putain, ça veut rien dire, ça veut rien dire déjà. Un nouveau visuel et une nouvelle séquence vidéo du film Dragon Ball Super Super Hero qui sortira en salle au Japon le 22 avril 2022 ont été dévoilés. Des tonnes de nouvelles informations sur le film ont été publiées sur scène lors de l'événement Dragon Ball Games Dragon Ball par le producteur exécutif Akio Iyoku, je suis fatigué, le producteur Norihiro Hayashida et le réalisateur Tetsuro Kodama. Super. Nouveau visuel publié. Super. Désolé. Ce nouveau visuel 1, super, est lié au visuel 1 précédent dévoilé. Ici, nous pouvons voir Bulma, Android 18, Krillin et les anciennes versions de Goten et Trunks, les nouvelles versions. On a hâte de découvrir quel genre de rôle ils joueront dans le film. Bon, on a compris, hein, la fusion, blablabla. Il ne reste que 2 mois avant la sortie officielle du film au Japon. Reste à l'écoute pour... C'est tout. Et tu parlais d'une petite vidéo. Putain, mais c'est nul. C'est nul. Bref. Bim. 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 Alors, j'avais mis Dragon Ball. Voilà. DBZ.com. Merci pour l'intro. Et c'est lui, c'est notre ami qui a diffusé ici la petite intro. Hein, dbz.com et hop, il a partagé 4 mini vidéos exclusives qui étaient diffusées durant le live. On va jeter un œil dessus. Docteur Edo. Alors, Docteur Edo qui débarque, qui fait le beau gosse. Oh, cette image saccadée, je vais avoir du mal. D'accord. Cette porte. Il jette une bombe. Il fait le beau gosse en prenant sa suitcase. Boum, ça fait tout péter. D'accord. Piccolo versus Ganma. Donc ça, je pense que c'est une scène importante, une scène clé du film. Ganma 2 qui débarque. Alors il n'y a pas de son à la base, c'est juste 2-3 japonais qui parlent. Là c'est vraiment... voilà, c'est juste pour nous montrer. Regardez la caméra qui suit le flingue et tout. Voilà, c'est pas mauvais hein, la caméra comme ça. Pas prise de tête. Mais ce côté saccadé, manquant légèrement de fluidité, j'aime pas ça, quoi. Bon, il fait le beau gosse. Ok. Very cool. Ça, c'est le japonais qui parle. C'est pas Ganma. Hop, il rentre dans le tas. Ça fait de la bagarre. Là, ça fait un poil comics, je trouve. Et non, pas manga. Ok. Quatrième extrait. Alors, le Gohan, il est vénère. J'aime beaucoup cet extrait là parce que regardez, Gohan il cherche pas à défoncer des gens, il veut aller directement à la tour. Oh le parapluie! Il veut directement foncer à la tour. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut aller à la tour? Oh le parapluie il est encore là. C'est la star, bordel de merde! Qu'est-ce qui se passe dans cette tour? Ça rend dingue. Il se fait arrêter du coup. Et il est très très en colère. Il est hyper en colère. Alors mon point de vue, c'est que ils ont enlevé Pan. Ils ont enlevé Pan. Et du coup, il veut récupérer sa fille. Il cherche pas à défoncer les gens. Il trace directement la tour. Bordel de merde. C'est pour ça que j'aime bien beaucoup. Enfin, j'aime cette séquence. Regardez surtout ce visage déterminé. Rendez-moi ma fille. C'est ce visage-là. Je suis daron. Je sais ce que c'est. Rendez-moi ma putain de fille. Et bim, je trace directement dans la tour. Alors, si c'est pas sa fille... Est-ce que c'est Piccolo ou un autre personnage important? Tout en sachant qu'il y a 3 secondes, on vient de voir Piccolo en train de se faire la petite bagarre avec Ganma 2. Voilà. Et d'ailleurs, il se fait dominer, non? Il se fait dominer. Donc, Piccolo qui se fait capturer? Bonne question. Pan
Je suis plus d'avis à dire pan. Et docteur Edo. Bon. On voit plus ou moins les différents locaux, machin, etc. Gunman et 2 en train de faire les beaux gosses. Ah oui, on a eu un petit extrait avec un mini doublage, machin. Bref, sincèrement, il n'y a pas de quoi péter une durite. Hein. T'es excité parce que ce que je viens de te présenter? Non. Non. On est d'accord. Très content de revoir Goten et Trunks. Super content. Mais ça t'excite, toi? Ça te donne envie? Ça te donne envie de foncer dans une salle obscure pour aller regarder, comme ça a été le cas il y a quelques années avec les différents films qui ont été diffusés? Non, elle est différente, cette hype. Là, aujourd'hui, ben justement, il n'y en a pas. Je suis pas excité à ce point. Le méchant. Qui, que, quoi, dans où? Et tout le monde, même du côté des Japonais, on pense au retour de Cell. C'est, putain, mais si c'est ça, bordel de merde, on nous fait revenir Freezer. Bon, Freezer, je peux comprendre. C'est un méchant emblématique en plus de l'univers Dragon Ball, mais entre guillemets, tout le monde connaît Freezer au Japon. J'ai connu des Japonais et des Japonaises qui ne regardent pas Dragon Ball, mais qui connaissent Freezer, pour vous dire à quel point, oui, faire revenir Freezer à un moment, ça a été tellement logique. Mais on nous fait revenir Freezer, on nous fait revenir Broly, on nous ferait revenir Gohan, Cell, et en plus, on aurait du coup un nouveau duel avec Gohan. Et Cell, s'il revient, est-ce qu'il aurait une nouvelle forme? Non, s'il vous plaît, ne partez pas dans le fan service pourri, parce que là, pour moi, c'est du fan service pourri, en nous ressortant un vieux méchant d'outre-tombe qui est totalement décimé. C'est bon, stop. Par contre, si vous nous sortez un nouveau méchant badass, ultra musclé, mode vénère, qui veut péter des gueules, Gohan, je vais te défoncer, là, on signe. Et je vous rappelle que tous les films qu'on a eus à l'époque, avec les androïdes, Hildegarn, Slug et Dr. Willow, bah, je suis désolé, c'est des putains de méchants, on est dans l'originalité, et voilà, c'est pas des trucs qu'on a vus dans la série, c'est ça qui fait la beauté aussi de Dragon Ball. Et j'espère qu'ils vont pas tomber dans ce puits de merde de « faut recycler, fanservice », et du coup les fans ils seront contents, et à partir de là, bah, on va leur sortir des figurines de Cell, les nouvelles transformations, il sera en bleu turquoise, doré avec des paillettes. Pompelle up. Putain de merde. Bref. Sortez-nous un truc qui déchire avec un putain de méchant, hein, parce que tu sens quand même ils veulent garder un maximum d'informations sur le film. Et ils vont tout lâcher au dernier moment. Et s'il y a une avant-première, je croise les doigts parce que je veux m'incruster. Comme ça, je vous balance mes impressions dès que c'est possible. Bref, voilà concernant les informations de Dragon Ball Super Super Hero. Encore une fois, rien de fou à se mettre sous la dent, mis à part le parapluie qui est magnifique. Et j'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!